Hey tout le monde, c'est Anao et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Là, je suis actuellement en vacances, donc qui dit vacances dit grand changement. On en a discuté avec ma maman et on va tout changer dans ma chambre. Donc, très clairement, le titre de ma vidéo, c'est que je déménage ma chambre. Donc, je vais vous expliquer comment, pourquoi, voilà, très clairement. Et j'espère que la vidéo va vous plaire et que, comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et du coup, c'est parti! Donc du coup, le pourquoi en fait, c'est que tout simplement, là, j'ai mes deux armoires et du coup, ça assombrit énormément la pièce au fond. Donc on va bouger toutes mes deux armoires. Ensuite, j'ai les deux meubles qui sont là, donc le meuble qui est là et mon bureau qui vont totalement dégager. Et je vais prendre un nouveau bureau plus petit et complètement un nouveau meuble, un meuble complètement différent de celui-là. Je vais bouger mon lit, je vais bouger mon meuble télé, mon meuble qui télé qui est deux meubles pour vêtements, très clairement, voilà. Je vais tout bouger, ça va être la galère, ça va être la merde. J'ai déjà commencé à faire des cartons, voilà. Chose fragile que j'utiliserai plus tard, chose inutile. Donc du coup voilà, franchement je sais pas comment ça va se passer. Là j'ai déjà fait le balai, j'ai récupéré plein de cochonneries, mais voilà quoi. Donc ça va être le gros bordel. Du coup si on évite le bordel, pour le moment ma chambre est très clairement comme ça. Vraiment, là il y a l'arbre-chat qui est en plein milieu, les chaises là-bas vont sûrement partir. Mais mon armoire, la télé, tout ça, ce meuble-là, il va sûrement partir sur ce mur-là. Les galandes vont être enlevées, ensuite il y a mon lit ici, tout ça. Gros bordel, hein, le chat qui joue avec tout n'importe quoi. Elle est folle. Donc du coup voilà, pour le moment ma chambre elle est comme ça et vraiment tout va bouger, voilà, très clairement. Bah écoutez, du coup pour le moment, vu que je peux pas bouger totalement mes meubles, vu que je suis toute seule pour le moment, bah je vais commencer à enlever tout ce qu'il y a sur le mur. Les photos, je pense que pour l'instant je vais les laisser parce que là il n'y aura pas grand chose sur ce mur là. Mais là du coup il y aura mes deux meubles, donc du coup il n'y aura plus rien. Donc je vais essayer de tout enlever en espérant que ça se recolle après, mais ça j'y crois moyennement. C'est parti. Donc du coup là les petits potes, c'est le meuble que je dois ranger, donc il est blindé, il était grave organisé à la base et là c'est le gros bordel. Donc ça va partir dans des cartons directement. Et voilà les petits potes, maintenant il est complètement vide. J'en ai chié, il y a des choses, je ne savais même pas où les ranger, j'étais paumée. Mais au final, écoutez, j'ai trouvé, c'est le principal. Maintenant c'est le moment de tout balayer, c'est dégueulasse, c'est horrible, les fleurs elles se sont cassées la gueule. Un bon coup de balai, voire même d'aspirateur, franchement je vous jure c'est le bordel. Et voilà, c'est tout propre, donc franchement ça va, c'était hyper rapide, vraiment tout propre. Eh ben non, pas du tout en fait. Il y a encore masse de boulot, même sur le palier, c'est le bordel. Et voilà, donc du coup, les petits potes, là, on s'arrête là pour ce soir. Donc, j'ai enlevé le plus possible, très clairement. Franchement, ça va être un peu plus propre au fur et à mesure dans tous les cas. Mais là, c'est le gros bordel. Et le bureau, voilà où il atterrit, très clairement, c'est le bordel. Hey, on se retrouve le lendemain matin. Donc, du coup, là, on a enlevé le meuble en plus. On va passer le balai, la serpillière.
Et après, on va tout bouger, on va tout enlever. J'ai peur, très peur même. Coup de serpillière fait. Il y a des tâches qui partent pas, malheureusement. C'est un peu de notre faute, mais bon, voilà quoi. On avance, même si ça reste quand même un petit peu de bordel, on avance bien. Il y a déjà le lit de bouger, du coup, comme vous pouvez le voir. Les armoires, c'est en train de se faire, mais c'est galère à tirer, à pousser, tout ça, c'est... Et donc voici le résultat. Franchement, c'est pas spécialement vraiment encore rangé, ça je le sais très bien. Mais franchement, on a bien bossé, même si on a mis pas une semaine forcément à faire, mais on a essayé pas mis dès le premier jour. Il y a un jour, on avait rien fait vraiment de ouf. Et du coup, j'ai mon petit bureau. J'ai mis un meuble comme ça, mais ce sera un meuble à case après. Et puis les meubles télé, enfin le meuble télé, la télé, puis le lit, puis voilà quoi. Hein. Basta. Hein. Changement de programme, voici mon lit avant, je vais avoir un nouveau lit. Donc voilà comment il était avant mon lit. En bordel bien évidemment. Les gars, blessure de guerre quand j'ai porté une planche de mon nouveau lit, ça fait mal. Je dis au revoir à mon ancien lit, c'est le bordel du coup. Et voici les planches du nouveau lit. Gros bordel comme à chaque fois en fait, hein, ça va pas changer, hein, on va pas se mentir, ça changera jamais. Ça va être vraiment galère à monter tout ça. Là, actuellement, il est à peu près 18h. Et il y a masse d'outils. Il y a le chat en dessous. Je l'avais pas vu, putain. Enfin, j'espère que ça va être assez rapide, mais... voilà, quoi. Voilà, les gars, là, je suis en voix off. Donc, voilà mon petit boulot. Hein. Moi, c'était en gros, j'ai enlevé le scotch des planches. C'était d'une galère horrible. Vraiment. Après, je les gommais quand c'était trop sale. Et après, je passais un petit coup de désinfectant pour laver la planche. Parce qu'en gros, c'est pas acheté en magasin, c'est quelqu'un qui le donnait, voilà quoi. Et du coup, on passait un petit coup de désinfectant sur le dessus, histoire de dire quoi. Vous voyez même pas ma tête. Heureusement d'un côté, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
Ma chambre était une poubelle à ce moment-là. Tiens, vous voyez, en fait, là, j'utilisais que le bas de gel, puis j'avais pas besoin de gommer. Regardez mon chat sur la droite. Ça me saoule. Oh, ma gueule. Donc les petits potes, voilà, le lit avance plutôt bien. Comme vous voyez, il y a encore mon chat. Mais ça avance plutôt bien. Eh, les gars, il était 21h à ce moment-là, on était claqués, on n'en pouvait plus. Le sommier, on a eu du mal à comprendre. Donc du coup, on s'est arrêté ici. On n'a même pas mis les tiroirs, voilà. Les tiroirs se sont mis ce matin. Au final, le lit est plus grand que mon matelas. Voilà, vous voyez, je vous expliquais, mais en gros, là, ça sera les deux tiroirs et il y en a aussi de l'autre côté. Mon lit, enfin le lit est trop grand comparé au matelas. Et là il y aura les deux autres tiroirs où du coup je vous disais à la droite il y a les plaids. Et à la gauche il y aura les croquettes et la nourriture pour mon chat. Ce qui va me changer c'est qu'il n'y a pas de tête de lit quoi. Alors que d'habitude j'en avais tout le temps. Mais au final j'ai trouvé un arrangement. J'ai mis les oreillers contre mon lit et au final il est vraiment bien poussé. Et du coup, bien évidemment, les planches de tiroir, ça a été plutôt facile à les monter. Voilà, vous allez voir ça de façon. Et on avait galéré à la mettre celle-là. Au final, c'était même pas la bonne au début. Hein. Après, on a dû tout remettre. Et du coup, en fait, il y a une planche qui nous manque des choses. Donc, voilà quoi. Donc, on va aller voir les vis, tout ça. Et dès qu'on aura tout ce qu'il nous faut, on mettra le dernier tiroir. Voilà, très clairement. Désolée que ça filme comme ça. Du coup, les petits potes, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de planches, plus de vis, rien du tout par terre. C'est beaucoup plus propre. Ma tour de Boompop, on adore. Sauf que on a un problème. Ce meuble. En gros, ce meuble, je vous explique, c'est le tiroir, quoi. Et il nous manque un truc pour bien resserrer et une vis. Et en fait, du coup, on les a pas. Ça a été paumé dans le truc, dans les paquets, on sait pas trop. Du coup, pour le moment, mon lit, il donne comme ça. Voilà, donc là, le tiroir il est ici bien évidemment. Pour le moment on avait le tiroir là et les deux tiroirs qui sont de l'autre côté, donc je vais vous montrer ça. Hop. Et j'ai déjà mis des choses dedans. Hop, vous voyez ici les petits plaids, tout ça. Et de ce côté là, les trucs pour mon chat. Parce qu'en gros ici ça va être son coin à elle, il y a déjà tous ses jouets, il y a déjà tout ça. Et pour le moment de l'autre côté il n'y a rien du tout, donc voilà. Donc c'est le gros bordel en fait. Bon, je vous explique déjà, c'est fait sur un coup de tête de totalement réaménager ma chambre. C'était pas prévu que j'aille un nouveau lit. Ça s'est fait hier vraiment à la dernière minute, on va dire ça comme ça. Ma mère est revenue avec et en gros elle a dit est-ce qu'on le met dans la chambre à ma soeur, est-ce qu'on le met dans la tienne, on verra. Et quand elle m'a dit que c'était un lit à tiroir, j'ai directement sauté sur l'occasion parce que j'en voulais trop un depuis hyper longtemps. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. On a commencé à 6h, enfin 18h hier, on s'est arrêté à 21h. Il nous manquait que les tiroirs. Et là les tiroirs on les a finis du coup ce matin. Ça nous a pris une petite heure je pense à peu près. C'était le bordel, c'était compliqué. Mais du coup comme je vous disais, ouais, de base c'était pas du tout prévu qu'on refasse ma chambre. Donc du coup là il y aura une prochaine vidéo où en gros je vais redécorer ma chambre. Parce qu'en gros du coup là c'est le gros bordel. Vraiment là il y a mes pop, là-bas tout doit être rangé, l'abrachage je sais pas trop s'il va rester ici, enfin bon voilà quoi, c'est le bordel, il y a que mon lit en fait et le coin du chat qui est nickel limite, donc du coup voilà, ça a été un énorme boulot, surtout du coup pour le lit comme je vous avais dit, mais franchement maintenant j'aime bien ma chambre, on va dire que j'aimais déjà bien avant, mais là j'ai un lit comme je le souhaitais. Il me manque juste le meuble à case qu'il faut que je trouve. Parce que ça, c'est pas tâche facile à faire. J'ai déjà fait des recherches, j'ai pas forcément trouvé. Je voulais un plus petit bureau, je l'ai eu. Il est rose, mais ça, je m'en fous, très clairement. Donc, ça, je suis contente. Ensuite, ouais, vraiment, juste redécorer ma chambre. J'ai déjà commencé avec le poster Avenger. Puis, voilà quoi.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Puis comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!